Le taoïsme clanique est très différent des taoïsmes religieux. C'est un taoïsme de famille ou justement de clan et qui se passe dans la vie avec un travail, une famille. Tout ce qu'on apprend, c'est directement lié à une vie de tous les jours. Très loin de l'idée monastique, on ne pratique pas pour s'éloigner du monde, pour être en retraite du monde. On pratique pour essayer de vivre notre vie le mieux possible. C'est la culture de l'être humain entre ciel et terre. Nous, en tant que pratiquants, on se dit ben, « il faut que je travaille sur moi ». Moi, c'est quoi? C'est un corps qu'il faut garder en bonne santé, c'est un souffle pour avoir la vitalité, pour avoir la pêche, pour faire des trucs, et un esprit clair. Dans l'esprit, il y a la sensation d'être. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a cette étincelle d'immortalité. Et la pratique, c'est ça. Essayer d'être le plus clair possible avec soi, avec les autres, avec le monde, devant les dieux.